Voilà, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Vas-y, recule. Salut tout le monde, c'est Mikalash. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo en compagnie de mon poteau Armano. Donc, n'hésitez pas à aller voir, le lien de sa chaîne sera en description. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va tout simplement faire, c'est qu'on va essayer de punir entre guillemets un hater. Je vous explique, ça fait quelques semaines qu'il y a un genre de hater qui m'envoie des messages sur Instagram menaçants. Voilà, j'appelle tout simplement ça un hater, genre une personne remplie de haine parce que je lui ai absolument rien fait. Mais voilà, le mec me dit qu'il veut me rencontrer, qu'il veut à tout prix qu'on se tape, qu'il veut régler les problèmes, que je sais pas quoi. Il me balance quelques insultes à droite à gauche. Mais voilà, ça se passe toujours derrière un écran et comme vous le savez, c'est toujours plus simple et plus facile de dire certaines choses derrière un écran parce que c'est pas forcément la réalité et il n'y a pas forcément de conséquences comme dans la réalité. Donc voilà, ce que j'ai décidé de faire, c'est tout simplement de lui donner un rendez-vous pour le rencontrer en vrai, pour voir s'il tient les mêmes propos derrière un écran et dans la réalité. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un maximum de likes si la vidéo vous plaît. Comme vous savez, c'est gratuit et c'est le meilleur moyen de me soutenir. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour suivre toutes les futures vidéos et me donner de la force. Et aussi n'hésitez pas à partager cette vidéo afin qu'elle puisse toucher et sensibiliser un maximum de monde. Et surtout qu'elle puisse se propager pour envoyer un certain petit message aux haters. Donc voilà, je vous explique, ça va se passer maintenant. Là, on est sur le lieu du rendez-vous où je lui ai donné rendez-vous. Donc, je lui avais donné rendez-vous pour 14h. Là, il est 13h50. Et on a des doutes en fait qu'il soit déjà là. Donc, on lui a donné rendez-vous devant le bricomarché. Donc, Armano, est-ce que tu peux juste tourner la caméra? En même temps, je vais expliquer. Donc, voilà, en fait, on lui a donné rendez-vous devant le bricomarché. Est-ce que tu vois le mec avec le pull bleu? Voilà, alors ce mec là, on l'a vu plusieurs fois se retourner, ça fait depuis à peu près 5 minutes qu'il est là, parce que ça fait à peu près 5 minutes qu'on est arrivé. Apparemment, il ressemble au mec sur Instagram, tu vois, enfin, on dirait vraiment que c'est lui. Alors après, je suis pas sûr, tu vois, donc ce qu'on va faire, en fait, j'ai une petite idée, c'est qu'on va l'appeler, parce qu'il m'a donné son numéro de téléphone, tu vois, et on va voir tout simplement s'il décroche, si c'est vraiment lui, etc., et après on ira le voir. Peut-être ça va partir en baston, si le mec commence à me frapper, moi je vais pas me laisser faire, je vais me défendre bien sûr, mais voilà, je suis pas dans cette optique là, je suis plutôt dans l'optique d'aller le voir, et de voir un petit peu ce qu'il en est. Je vais l'appeler, donc attends, il m'avait passé son numéro, je vais l'appeler en masqué. Vas-y, on va l'appeler, on va voir. Vas-y, je l'appelle. Bah, s'il répond, c'est lui. Hein. Il se retourne. C'est lui? C'est lui, c'est lui. Ah oui, c'est lui. Allô? Ouais, tu me reconnais ou pas? C'est Mikalash. Ouais, t'es où là? C'est 20 minutes que tu m'attends, je t'ai donné rendez-vous à 14h. Qu'est-ce que tu racontes? Et t'es où là? T'es devant le bricomarché comme je t'ai dit? Comme tu m'as dit, devant le bricomarché, je t'attends, ça fait 5 minutes, t'as vu comment tu en parles là? Mais gros! T'es dit comment il est habillé? T'es habillé comment? Je suis habillé comment? Avec des chaussures, un jogging, la capuche hein. Mais t'as vraiment cru que j'allais venir frère? Ah pourquoi tu me dis de venir? Moi je me déplace, tu viens même pas, je savais que t'étais une petite femme. Ah ouais, je suis une quoi t'as dit? Une petite femme, ouais. Ah ouais, mais frère t'as... C'est ce qu'on va voir, mais t'as vraiment cru que j'allais venir, que j'allais me déplacer pour toi, que j'allais perdre du temps et tout? Moi j'ai de l'argent à faire, frère. Je savais que t'avais que de la bouche, J'ai que de la bouche. Je suis une tapette. Ouais. Mais déjà, je comprends pas, c'est quoi le problème? Genre, pourquoi tu veux qu'on se voit? Pourquoi tu m'insultes? Je t'ai fait quoi en vrai? Parce que je t'aime pas et tout. Ah, parce que tu m'aimes pas. Ouais, je t'aime pas. Du coup, tu m'insultes, tu fais le mariole, tu fais le fou. Bah ouais. Tu fais des trucs là, je pèse le bon coin, je sais pas quoi là, c'est trop nul. Et déjà, genre, moi j'accepte pas que tu me manques de respect, tu vois. Je te le dis, t'as pas manqué de respect. Tu peux ne pas aimer mes vidéos, mais tu me manques pas de respect, tu vois. Je te manque de respect, parce que manière tu vas pas venir, tu vas faire quoi si je te manque de respect? Bah, regarde, gros, moi je vais pas venir, je te le dis, tu vois, j'ai pas que ça à faire. Tu vas faire un petit tour au bricomarché si tu veux, tu vas t'acheter un peu de bois. Genre, tu te feras une cabane dans la forêt, ça te fera du bien, frère. Franchement, en gros, genre, moi je suis chez moi tranquille dans mon lit, tu vois, j'ai un peu la flemme de venir. Donc, je vais pas venir. Ah ouais? Tu m'aurais soulevé. J'aurais même pris ton téléphone, j'aurais supprimé ta chaîne YouTube et tout. T'aurais supprimé ma chaîne YouTube? Ouais, je te vole ton téléphone, je te vole ton code. Je fais des vidéos aussi avec toi la victime. D'accord, gros. Genre, j'ai filmé en direct, faire un live. Je vais te mettre là, sur un endroit, là, je vais faire des trucs de fou. Vas-y, gros, bah, moi je vais faire une petite sieste, tu vois, et on se rappelle après, c'est bon? Vas-y, dors bien, je te donne 10 minutes, tu viens d'annoncer que t'es un homme, tu vas pas venir, je te fais des trucs, vas-y. Vas-y, je vais raccrocher au nez. Oh frère, il fait trop le fou. Tu penses qu'il est fou ou pas? Tu penses qu'il va assumer ou pas? Je sais pas, mec. Parce qu'il vient tout seul et tout. Genre, s'il faut, le mec, on va se taper là, gros. Hein. Vas-y, tu sais quoi, je vais aller faire le tour. On va quand même rester sur le truc qu'on avait dit avec le lait et la farine, tu vois. Je vais aller le cacher là-bas et je vais faire le tour et je vais aller le voir, c'est bon? Franchement, genre, je sais pas s'il va assumer en vrai. En fait, le truc, ça aurait été un vrai bonhomme. Genre, il m'aurait embrouillé pour des vraies histoires et tout. Mais là, le mec m'embrouille pour des vidéos, tu vois. Ça peut pas être un vrai bonhomme qui t'embrouille pour ce genre de truc. Un vrai mec, genre, vraiment chaud, tu vois. Il va pas t'embrouiller pour des vidéos que t'as fait qu'il aime pas, tu vois. Il a pas que ça à faire, genre, il a des vrais bails à faire. Un mec comme ça, genre, c'est sûr, il va pas assumer. Ah, gros.
Alors, qu'est-ce qu'on fait là? Comment est-ce qu'on fait? On fait quoi là maintenant là? Je sais pas. On fait quoi frère? Je suis en face de toi maintenant. T'es qui? Comment ça, je suis qui? Je vois pas, t'es... Je suis en face de toi frère. Bah, moi aussi je suis en face de toi. Qu'est-ce que tu fais frère? Qu'on fait quoi là? Tu viens de me dire ouais viens je vais te soulever je sais pas quoi devant. T'es qu'au marché, je t'attends, je suis là. Je t'ai vu en train de bouger au téléphone et tout, je sais que c'est toi frère. Pourquoi tu... Je vois pas de quoi tu parles, tu dois te tromper de personne. Comment ça, je dois me tromper de personne, gros? Je viens de t'avoir au téléphone, j'ai vu que c'était toi, gros. Au téléphone, mais j'ai vu personne au téléphone, j'ai même pas de carte puce. T'as eu personne au téléphone là, à l'instant là? Non, j'ai même pas de carte SIM dans mon téléphone. Oh, gros, tu sais quoi, c'est en train de me donner mal à la tête. Je sais pas ce que tu racontes en fait. Genre, on dirait tu parles en fait, moi tu vois, je parle le français, tu vois. Toi, on dirait. Si, je suis français. Non, frère, toi, on dirait que tu es en train de me parler un mélange de chinois, genre. Ouais. Avec du thaïlandais, genre. Je sais pas parler chinois. Et tu sais, un petit peu d'espagnol, genre mélangé, je sais pas, frère. Ça fait des langues bizarres, je comprends des blagues, frère. Tu parles chinois là? Toi. C'est toi, t'as des problèmes dans ta tête, gros. T'es malade. Qu'est-ce que tu fais, gros? Qu'est-ce que tu fais, gros? T'es là, tu me fais déplacer, tu m'insultes, ça fait des semaines, tu dis ouais, viens, je sais pas quoi, je vais te soulever, je sais pas quoi. Ça fait des semaines. Oh, écoute, me dis pas de me calmer. Écoute-moi bien. Tu es en train de te tromper de personne, je crois. Je me trompe pas de personne, gros. T'es là, tu me dis ouais, viens, ça fait des semaines que tu m'insultes et tout sur internet, ça fait des semaines que tu fais le mariole, tu vois. Déjà, je vais t'expliquer. Ça fait des semaines que tu fais le malin sur Instagram, tu dis ouais, rendez-vous, je sais pas quoi. Tu me donnes rendez-vous devant le bricomarché, j'attends, je t'appelle, juste avant de venir. T'es là, écoute, arrête de chercher des excuses, y'a pas de petit, y'a personne, sinon on va là-bas. Tu veux qu'on aille là-bas? Tu veux qu'on aille là-bas dans le coin? Tu veux qu'on aille là-bas dans le coin? Écoute, y'a pas de marche devant, écoute-moi, ça fait des semaines, t'es là, tu me dis ouais, je sais pas quoi, moi je t'ai rien fait. Moi je fais des vidéos dans mon coin tranquille, tu vois, je fais des vidéos tranquilles dans mon coin, tu vois, je fais mes vidéos, etc. T'es là, t'aimes pas, c'est pas ton problème, c'est pas mon problème, je m'en fous que t'aimes pas, tu vois, tu peux ne pas aimer, il y a des gens qui peuvent ne pas aimer, j'en ai rien à foutre, mais de là à venir me menacer et m'insulter gratuitement, ça j'accepte pas, gros. Tu me manques pas de respect, tu peux ne pas aimer mes vidéos, mais t'as pas à me manquer de respect comme ça, tu comprends? Ça fait des semaines que tu m'insultes, t'essaies de me chercher, je sais pas quoi. Ouais, tu me dis ouais, je vais te croiser, tu dis ouais, je vais te suivre, je sais pas quoi. Écoute, ça fait des semaines que ça dure, maintenant je viens en face, tu vois. Je t'appelle juste avant je t'appelle, j'ai bien vu que c'était toi, tu t'es levé, t'étais au téléphone, je t'ai vu faire des gestes, j'ai vu ta bouche parler. Vas-y, viens, on va aller là-bas. Viens. Viens, c'est bon, viens. Viens, on va là-bas. Ah là, tu vois, on est plus tranquille ici. Tu vois, là, il n'y a personne ici. Tu vois, ici, on est plus tranquille. Maintenant, regarde, je vais t'expliquer, gros. Moi, franchement, je suis pas un mec méchant, tu vois, je suis pas un mec mauvais. Je suis ni plus fort, ni plus faible que qui que ce soit. Juste, je suis pas un mec qui va se laisser faire, tu comprends? Maintenant, t'es là. Ça fait des... Tu vois, excuse-moi, je te coupe. Je te coupe, c'est vrai. Tu commences à me gaver, gros, tu commences à me... Je suis un peu mal, tu vois, là. T'es un peu mal de quoi? Tu viens, tu m'agresses, je sais pas, t'as peut-être des problèmes avec des gens, ou t'as des problèmes dans ta tête peut-être, hein. En gros, t'as des problèmes dans ta tête. Gros. Écoute, ça fait des semaines que tu m'insultes et tout sur Instagram. Non. Maintenant, écoute-moi, reste là. Désolé, non, mais je vais te regarder parce que là, je commence non, à... Non, tu restes là, je vais t'expliquer. Je commence à me dire des trucs de... Je viens de t'avoir au téléphone, gros. Tu comprends ce que je te dis? Je viens de t'avoir au téléphone. J'ai pas de carte SIM dans mon téléphone. Regarde. On va faire un truc. Regarde. Tu vas faire quoi? On bouge pas. Vas-y. Regarde. Je viens de t'avoir au téléphone, gros, je t'ai vu bouger. Tout. Impossible. J'ai pas de carte SIM. Hop, regarde. Monte ton téléphone. Si t'as rien à te reprocher, monte ton téléphone. C'est quoi ça? C'est moi ça, numéro privé. C'est moi qui suis en train de t'appeler, regarde. Je suis en train de t'appeler, c'est ton numéro ça. Mais c'est un bug, je crois. C'est un bug de quoi? Vas-y, on va essayer de prendre. Allô? Allô? T'as eu mon numéro? Ah oh, gros, vas-y, arrête, c'est bon. C'est bon, vas-y, assume maintenant. Assume, frère. C'est bon, t'es grillé là. C'est bon, excuse-moi, je pensais pas que t'allais venir et tout. Pourquoi tu faisais ça? Je sais pas, je vais te voir en vrai, je savais pas que t'allais venir, tu m'as dit non et tout, je viens pas. J'explique, gros, ça fait 3 semaines, t'es là, tu m'envoies des messages sur Instagram, ouais. Je me menace, tu dis tes vidéos c'est ceci, tes vidéos c'est cela, moi je vais te croiser, je sais pas quoi. Il y a pas de rigoler. T'étais pas en train de rigoler, frère, au téléphone là, t'étais pas en train de rigoler, t'as commencé à m'insulter. Mais tu sais comment c'est derrière le téléphone, t'as personne, tu fais un peu le beau et tout. Je vais t'expliquer, c'est pas normal, non. C'est pas normal ça. Maintenant, que t'aimes pas mes vidéos, c'est une chose, tu vois. Il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui aiment pas, t'as le droit de pas aimer. Mais que tu viennes m'insulter, me menacer gratuitement, alors que je t'ai rien fait, je t'ai fait quoi honnêtement? Qu'est-ce que je t'ai fait? Dis-moi, qu'est-ce que je t'ai fait personnellement? Je sais même pas moi. Je t'ai rien fait, tu vois. T'es là, tu m'insultes, tu veux me voir, je t'ai rien fait. T'aimes pas mes vidéos, c'est quelque chose, mais ça n'a rien à voir. C'est pas pour autant qu'il faut venir insulter la personne. T'aimes pas mes vidéos, c'est pas grave, tu les regardes pas. Ça, je comprends pas. Pourquoi tu regardes mes vidéos si tu les aimes pas? T'aimes pas mes vidéos, tu les regardes. C'est vrai, t'as raison. Mais après, tu vois, t'as vu genre. Je vais pas te mentir, t'as vu, j'aime un peu les vidéos.
Donc t'es une trompette en fait. Je suis pas une trompette, mais t'as vu, j'assume, je suis désolé. Tout ce que j'ai dit, je suis vraiment désolé. Ouais. Tu vois, genre, je voulais pas de problème. Et je pensais que c'était la seule solution pour que tu me vois en vrai en fait. Mais pourquoi tu voulais me voir en vrai? Bah, je sais pas, parce que t'as vu, je me suis dit, ouais, lui, t'as vu, il est connu. Je suis pas connu, frère, je suis pas connu. T'es connu, c'est connu. Pas connu, connu de quoi, frère? Je fais des vidéos sur YouTube, c'est rien du tout, ça. Moi, je suis, voilà, je suis une trompette, c'est tout. Je suis une trompette, voilà, maintenant je vais rentrer chez moi. Ouais. Si tu veux, on prend une photo, je rentre chez moi. Sinon, je rentre chez moi sans photo, c'est pas grave. Hein. Ouais. Bah, tu sais quoi, on va faire un truc. Ok? Moi, tu m'as fait déplacer. Je suis pas un mec méchant, tu vois. Ouais, ouais. Je suis pas là, genre, franchement, t'es là, je vois que t'es plus aussi chaud. Tu vois, je voyais que tu faisais le mariole derrière ton écran, mais là, je vois qu'en vrai, t'es une trompette, comme tu dis, tu vois. Donc, franchement, je vais pas en profiter. Je suis pas ce genre de mec, tu vois, qui va profiter de tomber sur un mec qui a peur ou quoi, tu vois. Donc, je vais rien te faire, franchement. Juste maintenant, tu m'as fait déplacer pour rien. Donc, maintenant, tu vois, regarde ça. Avant de venir te voir, j'ai posé ça ici, tu vois. Ça, c'est de la farine et du lait, tu vois. Tu vas faire quoi avec ça? Des crêpes? Du coup? Ouais, du coup, en fait, ce que j'aimerais faire, tu vois, vu que tu m'as fait déplacer pour rien, etc. Tu vois, tu m'as fait un petit cadeau pour moi, chez moi. Non. J'aimerais faire en fait une crêpe humaine un peu, tu vois, avec toi, genre. C'est fou. Tu vois, t'es un peu comme une crêpe, t'es un peu mou, t'es un peu genre. T'es... En fait, du coup, j'ai envie de. Mais arrête tes conneries. On va là-bas, je t'achète des crêpes si tu veux. Tu m'achèterais rien du tout. Maintenant, tu m'as fait déplacer. Donc maintenant, tu vas faire la crêpe humaine. On prend une photo, je fais la crêpe humaine. Y'a pas de photo, gros. Je suis pas une crêpe, je suis peut-être une trompette, mais je suis pas une crêpe. Non, regarde, maintenant, on va faire la petite crêpe. Ok, la crêpe humaine. Et comme ça, j'en aurais eu pour ce que je veux, tu vois, tu m'as fait déplacer. T'es d'accord avec moi? C'est pas correct de faire déplacer quelqu'un pour rien. Vas-y, hein. Tu veux me mettre en boule, tu veux me mettre comment? Non, reste comme ça, c'est tout. Tiens, regarde. Ouais, je rigole, vas-y, je peux pas faire ça. Comment ça, tu peux pas faire ça? Je peux pas. Tu veux faire la crêpe, gros? T'es une crêpe. T'es mou comme une crêpe. Tiens, regarde, on va ouvrir ça. Hop, tu vois, un petit peu de farine. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que t'essayes de faire là? Je veux pas être une crêpe. Qu'est-ce que tu fais? On va t'imbiber un peu de lait, donc pour la recette, j'avais vu qu'il fallait mettre un litre entier, tu vois, comme ça. Eh, viens, frère, viens, c'est bon. Viens, tu vas faire la crêpe. Tu vois, on en met un peu comme ça ici, comme ça partout. C'est bon, viens, frère, viens. Et après, hop, pour pas faire de grumeaux, il faut verser le truc d'un coup, tu vois, comme ça, genre. Voilà, frère. Viens, frère, qu'est-ce que tu fais? On n'a pas fini la recette. Tourne-toi, frère, comme ça, je t'en mets pas dans la tête. Regarde, là ici, il y a des grumeaux, frère. Il y a des grumeaux par ici, tu vois. Voilà, frère, qu'est-ce que tu fais? Vas-y, recule. Qu'est-ce que tu fais, recule? Ouais, recule. Enlève. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? Tu rentres chez toi maintenant, vas-y. Fais pitié. Qu'est-ce que tu fais? Vas-y, viens. Tapette, va. Baby. Rockstar!